make sure your shoes are tied. You're now walking with greatness. We'll be right back.
Autre info sur l'incroyable effort d'ingénierie derrière ces pistes. La construction a commencé il y a plus de 5 ans, en vertu d'un permis spécial accordé par les 4 États qui possèdent le lit du lac. L'Illinois, l'Indiana, le Wisconsin et bien sûr le Michigan. Les pilotes empruntent une montée particulièrement raide. Ah, je n'avais jamais vu de voiture rouler avec une telle inclinaison. Tout ce qui monte doit redescendre. Waouh ! Ça doit procurer un sentiment incroyable d'être aux commandes en ce moment.
Petite anecdote pour vous. Plus de 25 plongeurs ont travaillé à la construction de ces pistes, installant d'énormes pylônes de soutien en béton pouvant atteindre jusqu'à 150 mètres de hauteur. Il faut aussi savoir qu'ils descendent inspecter l'intégrité structurelle après chaque course, ce qui montre bien la quantité de travail nécessaire pour rendre l'USST possible. Ces courbes sinueuses étaient assez difficiles à construire, mais elles ont toujours été considérées comme une caractéristique essentielle des pistes. Elles se tordent, comme pour les montagnes russes, car si on réduit le cisaillement latéral contre les pneus, il n'y a plus de raison de ralentir. Vous savez, seuls les pilotes remarquables peuvent apprécier des vitesses aussi extrêmes parce que, avouons-le, le fond du lac Michigan les attend à la moindre erreur. J'ai vraiment un immense respect pour tous les participants aujourd'hui. Thank you.
voici à la première course du tout nouveau circuit de l'US Speed Tour au-dessus du lac Michigan. Et c'est la journée parfaite pour battre des records. Entre les vitesses aérodynamiques et ces zones d'aspiration innovantes, nous devrions voir des vitesses de pointe prodigieuses aujourd'hui. Place à la course, car c'est l'heure du Speed Tour. Ceux qui ont planifié la construction de ce circuit ont exploré de nombreux sites possibles. Le golfe du Mexique, la baie d'Hudson, le détroit du Prince William, et ils ont opté pour le seul des grands lacs entièrement situé aux États-Unis. Et waouh, je dois dire qu'ils ont fait le bon choix.
entamons la partie la plus rapide de la course. Il n'y a plus aucune raison de ralentir et... Wow ! Aucun doute, nous assistons bien à l'US Speed Tour. Construire une piste au-dessus d'un grand lac n'est pas une mince affaire. D'autant plus que le lac Michigan peut atteindre plus de 275 mètres de profondeur. L'équipe d'ingénieurs a utilisé la technologie de construction en eau profonde utilisée pour les ponts les plus modernes au monde afin d'atteindre une résistance à toute épreuve. Voyons ce que ça donne. Thank you.
Oh, nous arrivons sur la zone d'aspiration. Nos pilotes d'essai n'ont pas tari d'éloges sur cette technologie qui offre aux pilotes une accélération presque sans frottement. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Autre info sur ces zones d'aspiration. Au départ, les ingénieurs envisageaient l'accélération magnétique, mais ils ont opté pour une technologie qui consiste à placer des milliers de minuscules chambres à vide, contrôlées par ordinateur directement sur la piste. Ne demandez pas comment ça marche, mais je veux ça pour Noël!
construire une piste au-dessus d'un grand lac n'est pas une mince affaire. D'autant plus que le lac Michigan peut atteindre plus de 275 mètres de profondeur. L'équipe d'ingénieurs a utilisé la technologie de construction en eau profonde utilisée pour les ponts les plus modernes au monde afin d'atteindre une résistance à toute épreuve. Voyons ce que ça donne. Oh, nous arrivons sur la zone d'aspiration. Nos pilotes d'essai n'ont pas tari d'éloge sur cette technologie qui offre aux pilotes une accélération presque sans frottement. Ouh, j'ai hâte de voir ça. Autre info sur ces zones d'aspiration. Au départ, les ingénieurs envisageaient l'accélération magnétique. Mais ils ont opté pour une technologie qui consiste à placer des milliers de minuscules chambres à vide, contrôlées par ordinateur directement sur la piste. Ne me demandez pas comment ça marche, mais je veux ça pour Noël! Thank you.
3, 2, 1.
Thank you.
Oh,
Faut le reconnaître, Wade a eu une idée de génie. Course d'Overcraft sur le bayou. Même son nom des potes, le Gator Rush. Pour moi, c'est la meilleure façon de se faire les wetlands de près. De la pure aéroglisse. Je crois que c'est Sophia, une reine du freestyle, qui lui a filé l'engin. Tu la connais? Elle sera notre invitée d'honneur. Mais je reste quand même le pilote à battre. C'est plutôt paumé ici, non? J'ai eu du mal à trouver. C'est ça qu'on cherche, justement. Merci de nous avoir prêté ton Overcraft. Merci de me laisser faire le Gator Rush. Tu m'en voudras pas si je t'écrase? Je veux bien perdre, tant que c'est toi qui gagne. Arrêtez de rêver. Vous n'avez aucune chance contre ma pote. Waouh! L'inertie est dingue. J'ai l'impression de conduire un crabe. Ça fait monter l'adrénaline. Et c'est pour ça que je suis ici. T'es en tête. Ça va pas durer. Ce truc est pas fait pour freiner. Alors, il ne reste plus qu'à accélérer. J'aime bien ce véhicule tout en un. Mon pick-up est pas aussi performant dans les marais. T'aimes la vue? En off-road, on troque les sentiers battus pour la beauté de la nature. En freestyle, on troque les sentiers battus pour le fun. C'est pour ça qu'on aime partager nos joujoux. Eh, vous deux, il y a des hôtels pour ça. Wouh! On s'éclate vraiment avec vous. Merci. T'es vraiment à fond dans ta course. Et toi, on voit que c'est toute ta vie.